Alors je me présente, Haf Trabelsi, professeur principal, émérite classe exceptionnelle, au lycée secondaire Tahassin-Megri. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un chapitre de chimie sur les alcools aliphatiques saturés, destiné pour les élèves de quatrième année sciences de l'informatique. Alors cette présentation est assistée par M. l'inspecteur Rarsala Hadl. On va passer aux objectifs de ce, cette présentation ou deux secours. Tout d'abord, nommer un alcool connaissant sa formule semi-développée et inversement. Deuxièmement, distinguer les trois classes d'alcool. Ensuite, expliquer le principe de l'étau, le test Et enfin, réaliser et interpréter une réaction d'estérification. Alors le plan que nous allons utiliser, tout d'abord, on va commencer par la définition des alcools. Grande structure. Grand 3, nomenclature des alcools. Grand 4, quelques propriétés physiques des alcools aliphatiques saturés. Grand 5, classe et isomérie des alcools. Grand 6, oxydation aménagée des alcools. Et enfin, réaction des sérifications. Alors commençons tout d'abord par la définition d'un alcool. Un alcool est un composé organique oxygéné, c'est-à-dire il contient un atome d'oxygène dont la molécule comporte un groupe hydroxyle oh lié à un atome de carbone. Appelé carbone fonctionnel, ne formant que des liaisons simples, et c'est pourquoi on appelle ces alcools des alcools saturés, avec les autres atomes de carbone et d'hydrogène. Formule générale, c'est ROH, avec R est un radical alkyle. La formule brute générale, c'est NH2N plus 1 OH, ou c'est NH2N plus 2 O. Le groupe hydroxyle confère aux alcools des propriétés chimiques particulières qui définissent la fonction alcool. De ce fait, on le qualifie de groupe fonctionnel. On va prendre un exemple. Ici, donc le CH3OH. Voilà le carbone fonctionnel, il est en rouge. Ensuite, CH3, CH2, CH2, OH. Le carbone fonctionnel encore, il est en rouge. Le troisième alcool, CH3, CH2, CHOH, CH3. Et vous avez ici le carbone fonctionnel, comme d'habitude, en rouge. Alors je passe à la structure des alcools la structure spatiale on voit bien que l'alcool donc le carbone fonctionnel de cet alcool alors a une liaison donc euh, avec l'oxygène de euh, longueur de l'ordre de 1,43 en angstrom par contre la liaison OH sa longueur c'est de l'ordre de 0,96 angstrom les angles donc COH c'est 105 degrés l'angle OC... H109 degrés. Et vous voyez ici le carbone fonctionnel est un atome tétragonal, c'est-à-dire il y a quatre liaisons simples. Grand 3, la nomenclature. Alors, le nom d'un alcool s'obtient suivant les étapes suivantes. Petit A, repérer la chaîne principale qui est la chaîne carbonée la plus longue contenant le carbone fonctionnel. B, numéroter cette chaîne de telle manière que le carbone fonctionnel porte le plus petit numéro. Petit C, le nom de l'alcool s'obtient en remplaçant le E final de l'alcane correspondant à la chaîne principale par le suffixe OL. Ce suffixe est précédé du numéro de carbone fonctionnel. Enfin, indiquer s'il y a lieu le nom et la position des radicaux alkyls greffés sur la chaîne principale. Alors, je vous donne des exemples. Je commence par l'alcool A. Alors, c'est le CH3, CH2, CH2, CH2OH. Le carbone fonctionnel, il est en rouge. Alors, la chaîne la plus longue, elle contient quatre atomes de carbone. Ensuite, je vais numéroter à partir de ce carbone fonctionnel, 1, 2, 3, 4. Il y a une autre numérotation à partir du carbone de la gauche de la molécule, 1, 2, 3, 4. Mais nous devons donc suivre euh, la règle de la nomenclature, c'est-à-dire... Numéroter le carbone fonctionnel par le numéro le plus petit. Et comme ça, le nom sera butane 1-Ol. Alors, pour l'alcool B, nous avons CH3-CHOH. CH, CH3, CH3. Alors, le carbone fonctionnel, c'est ce carbone-là qui est lié au groupement OH. La chaîne la plus longue, elle contient 4 atomes de carbone. Donc, j'enlève le E et je remplace par OL. Voilà, butane 2-OL, puisque le groupement OH sur le carbone numéro 2 et la ramification qui est le méthyle sur le carbone numéro 3, d'où le nom 3 méthyl butane 2Ol. L'alcool C, alors le CH3, CH2, CH, donc le carbone fonctionnel OH, CH2H5, CH3. Alors là, il faut choisir la chaîne la plus longue. Faites attention, donc ici vous avez un radical alkyle constitué de deux atomes de carbone. Et qui est donc lié à la chaîne. Donc vous avez ici un atome de carbone, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est la chaîne la plus longue. Alors, le carbone fonctionnel, c'est le carbone numéro 3 qui contient le groupement OH. Et c'est pourquoi nous avons hexane, donc 3-ol, et le groupement méthyl sur le carbone numéro 4, d'où la nomenclature 4-méthyl-3-ol. Alors, quatrièmement, quelques propriétés physiques des monoalcools aliphatiques saturés. Bon, tout d'abord, les alcools aliphatiques saturés sont des liquides jusqu'à 12 carbones. Les alcools, deuxièmement, les alcools sont très dans l'eau jusqu'à 5 carbones. Les alcools sont des bons solvants organiques, mais certains sont toxiques tels que le méthanol peut provoquer la cécité. Alors, cinquièmement, classe et isomérie des alcools. Selon le nombre d'atomes d'hydrogène portés par le carbone fonctionnel ou le nombre des radicaux, on distingue trois catégories ou trois classes d'alcool. Alors je commence par les trois classes d'alcool, les classes primaires. Alors ce sont les alcools dont la formule générale est RCH2OH, le groupe R lié au carbone fonctionnel, est soit un atome d'hydrogène, soit un radical alkyle. Les alcools secondaires. Ce sont les alcools dont le carbone fonctionnel est lié à deux radicaux alkyles R1 et R2 et donc leur formule générale sera CH R1 R2 OH. Enfin, les alcools tertiaires. Ce sont des alcools dont le carbone fonctionnel est lié à trois radicaux R1 R2 R3 et le groupement OH. Deuxièmement, isomérie des alcools. Alors pour l'isomérie des alcools il y a deux types d'isomérie, les isomères de chaîne et les isomères de position. Alors pour les isomères de chaîne, c'est la chaîne qui varie. Pourquoi Parce que si nous avons par exemple un alcool de formule brute C4H10O, alors vous voyez bien qu'ici que la chaîne de carbone constituée par quatre atomes de carbone ici le groupement hydroxyle, il est lié au carbone numéro 1. Par contre ici vous avez la chaîne constituée que de trois atomes de carbone, elle est ramifiée, et le groupement hydroxyle est toujours lié au carbone numéro 1. Donc la position du groupement hydroxyle n'a pas changé, la chaîne a changé. Là, c'est une chaîne de quatre carbones, là c'est une chaîne de 3 et avec une ramification. Donc si je passe à la définition, les isomères de chaîne sont des alcools qui présentent la même formule brute. Mais le groupement hydroxyle est greffé sur des chaînes carbonées de nature différente en gardant le même indice de position. Petit B, les isomères de position. Alors là, quand je dis les isomères de position, c'est la position du groupement hydroxyle qui change. Vous voyez ici par exemple pour cet alcool-là, vous avez la chaîne qui contient 4 atomes de carbone, le groupement hydroxyle il est sur le carbone numéro 1. Par contre ici, le groupement hydroxyle il est sur le carbone numéro 2 et nous avons ici gardé la même chaîne. Donc c'est pourquoi on appelle ça deux isomères de position. Alors si je passe à la définition, les isomères de position sont des alcools qui présentent la même formule brute et la même chaîne carbonée, mais d'indices de position du groupe hydroxyle différent. Alors, exercice d'application. Donc, euh, soit les alcools suivants, grand A, le butane, 1-ol, grand B, le 2-méthylpropane, 1-ol, grand C, le 2-méthylpropane, 2-ol, grand D, le 3-méthylbutane, 2-ol. Première question, écrire la formule semi-développée de chacun des alcools, de ces alcools. Deuxièmement, identifier les isomères de position et les isomères de chaîne. Alors, la réponse, alors vous voyez bien que pour le corps A, le corps B, le corps C, donc ils ont même formule brute, C4H10O. Alors je commence par A. CH3, donc CH2, 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 OH. Alors le groupement hydroxyly est sur le carbone numéro 1, donc c'est le butane 1 OL. L'alcool B, CH3, CH, CH2, OH. Alors, toujours le groupement hydroxyle est sur le carbone numéro 1. Et là, il y a une ramification. Donc c'est le 2 méthyl propane 1 ol. Alors le grand C toujours il a de formule brute C4H10. Vous avez donc ici la chaîne de carbone constituée la chaîne donc la plus longue constituée par trois atomes de carbone. Vous avez le groupement hydroxyle sur le carbone numéro 2. Et vous avez ici une ramification, donc c'est le 2-méthyl-propane-2-ol. Si je passe maintenant à l'alcool D, je vois bien que l'alcool le, le, D il est constitué par 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Donc, de formule brute, c'est 5H12O. Alors, cet alcool-là n'est pas un isomère avec donc, A, B et C, car il n'a pas la même formule brute. Que. Donc, si je vais déterminer les isomères d'opposition ou les isomères euh, de chaîne, la condition essentielle, c'est que ces isomères, ils ont la même formule brute. Donc, A et B sont deux isomères de chaîne. A et B. Voyez bien, quand je dis deux isomères de chaîne, c'est la chaîne qui va varier. Donc ici vous avez une chaîne de 4 atomes de carbone, là vous avez une chaîne ramifiée de 3 atomes de carbone. Et le groupement hydroxyde il est toujours sur le carbone numéro 1, il n'a pas changé de position. B et C sont des isomères de position. B et C. Alors deux isomères de position, c'est la position qui va changer. Donc vous avez ici CH3, CH, CH2, le groupement hydroxyde sur le carbone numéro 1, et là le groupement hydroxyde sur le carbone numéro 2. Pourtant ici, la chaîne elle est toujours la même. Alors, grand 6, oxydation ménagée des alcools. Alors, nous allons commencer par le cas des alcools primaires. petit petite expérience, cas de l'oxydation ménagée de l'éthanol. Alors, vous voyez bien donc ici la photo. Donc nous allons chauffer modérément quelques millilitres d'éthanol dans un bichère au moyen d'une plaque chauffante. Voilà la plaque chauffante. Au moment où l'ébullition du liquide commence à se produire, on va placer dans la vapeur d'éthanol une spirale de cuivre décapée et chauffée au rouge. Présentez aussi un papier, un de réactif de chiffre et un papier... De pH humidifié. Alors, qu'est-ce que nous allons observer Premièrement, nous allons remarquer la persistance de l'incandescence du fil de cuivre. Le réactif du chiffre rosé et le papier pH rouge. Alors, si je veux interpréter, donc, si le spiral en cuivre reste incandescente, c'est-à-dire qu'il se produit une réaction exothermique. C'est-à-dire il y a dégagement de la chaleur. Alors, le pap papier MBB de réactif de chiffre rosie, il y a formation d'un nouveau corps qui renferme le groupe CHO. Alors ce groupe caractérise la famille des aldéhydes de formule générale RCOH. La formule semi-développée de l'aldéhyde formée au cours de cette réaction est CH3CHO. Il s'appelle éthanal. Et il est reconnu par son odeur de pain. Ensuite, nous avons dit que le papier pH rougit, formation d'un nouveau corps qui renferme le groupe COOH. Ce groupe caractérise la famille des acides carboxyliques de formule générale RCOOH. Alors, la formule semi-développée de l'acide carboxylique formé est CH3COH il s'appelle l'acide itanoïque. Les équations chimiques des réactions qui ont eu lieu au cours de cette expérience sont alors, l'éthanol va être oxydé pour donner l'eau et l'éthanol, deux molécules d'éthanol. À son tour aussi, les molécules d'éthanol vont être oxydées pour donner deux molécules d'acide éthanoïque. Des généralisations. Alors, on va généraliser donc cette oxydation ménagée pour les alcools. L'oxydation mélangée d'un alcool primaire RCH2OH conduit dans une première étape à un aldéhyde de formule RCHO qui peut être aussi oxydé éventuellement en acide carboxylique RCOOH dans une seconde étape. Lorsque l'oxydant est en excès, l'alcool est entièrement oxydé en acide carboxylique et nous avons ici donc l'alcool primaire va être oxydé pour donner euh, l'aldéhyde en première étape. À son tour, l'aldéhyde va être oxydé pour donner donc l'acide en deuxième étape, l'acide carboxylique. Deuxièmement, cas des alcools secondaires. Au petit a expérience et observation. Alors, oxydation ménagée du de butane-2-ol de par une solution de dichromate de potassium. Plaçons dans un tube à hisser quelques millilitres de butane de hol avec quelques millilitres d'une solution acide de dichromate de potassium, échauffant légèrement au bain marie La couleur jaune orangée disparaît et on obtient une solution de couleur verte. Figure A. Cette figure. Alors, pour caractériser le produit organique de la réaction, versons dans le tube refroidi. Quelques millilitres d'un cycloïsane et agitons. Après avoir laissé reposer, il apparaît dans le tube, deux phases. Alors on voit bien une phase aqueuse et une phase organique. Alors, prélevons à l'aide d'une pipette un peu de la phase organique et réalisons deux tests avec le réactif de chiffre, puis. Avec une solution de dinitro 2,4 phénylhydrazine le DMPH. Alors le premier test est négatif, alors qu'avec qu le deuxième, on obtient un précipité jaune orangé, figure 3. Voilà. Alors, petit b, interprétation. L'apparition de la couleur verte indique que les ions dichromate CR2O72 fois moins se sont transformés en ions chrome 3. L'apparition du précipité jaune indique la formation d'un nouveau produit qui renferme le groupement carboxyle CO. Ce groupement est caractéristique des aldéhydes et des cétones. Le test avec le réactif de Schiff est négatif. Le produit formé est donc une cétone de formule générale CO R1 R2. Il s'agit dans ce cas-là du butanone. C'est le C2H5COCH3. Alors, l'équation de la réaction, vous avez ici l'alcool secondaire avec l'ion bichromate dans un milieu acide avec les ions H, donne des ions CR3 fois plus de couleur verte, des molécules d'eau, puis donc l'acétone qui est donc le, la butanone. Je passe maintenant à la généralisation. L'oxydation ménagée d'un alcool secondaire R1CHOHR2 conduit à la cétone correspondante r 1 cor 2 Alors, dans ce cas-là donc, vous avez un alcool secondaire, sa formule, celui développée R1CHOHR2 qui va être oxydé pour donner une cétone c'est de la forme cor R1 R2. Troisièmement, cas d'un alcool tertiaire. Alors, les alcools tertiaires ne subissent pas d'oxydation ménagée. Voilà. Donc, ici, on peut dire que l'oxydation ménagée est un moyen pour la distinction entre les classes des alcools. Remarque, contrairement aux réactions de combustion, les réactions d'oxydation ménagée ne détruisent pas la chaîne carbonée. On voit ici donc, une réaction de combustion complète. La chaîne est cassée donc pour donner donc, du CO2. C'est NH2NO plus 3N plus 1 sur 2O2 donne NCO2 plus N plus 1H2O. Ça c'est une combustion complète. Grand 7, réaction de certification. Alors tout d'abord, je vais définir qu'est-ce qu'une réaction de certification. La réaction de certification est la réaction d'un alcool avec un acide carboxylique. Elle donne naissance à un ester et de l'eau. Alors, ROH, un alcool, plus acide carboxylique, on obtient l'eau plus R'COOR. Exemple, l'éthanol. Avec l'acide éthanoïque, donne l'eau plus l'éthanoïde d'éthyle. Je continue. Alors, deuxièmement, l'expérience. Bon, vous voyez ici, la page elle est trop chargée. Bon, je ne vais pas lire le tout, mais je vais insister surtout pour donc voir ici que nous avons utilisé dans cette expérience un mélange. Entre un alcool qui est l'éthanol et un acide carboxylique qui est l'acide éthanoïque. Alors, vous voyez bien que les volumes choisis sont des volumes très précis. Vous avez un volume de 16,3 millilitres, un volume de 16 millilitres, et là, c'est pour donc préparer un mélange équimolaire. Alors, nous avons mélangé l'acide avec l'alcool en présence de quelques gouttes d'acide sulférique concentré. Nous allons voir pourquoi cet acide sulfurique concentré. Puis, on a réparti ce, ce mélange dans des tubes à essai numérotés de 0 à 11, et chaque tube à essai il contient 2 millilitres. Alors, ces tubes à essai par la suite vont être placés dans un bain marie. Alors, on peut se poser aussi la question pourquoi dans un bain marie Alors, nous avons utilisé un bain marie pour donc, augmenter la température et pour accélérer la réaction. Aussi, nous avons utilisé l'acide sulférique très concentré pour accélérer la réaction, parce que la réaction de certification est une réaction lente et nous allons la voir par la suite dans les tableaux de mesures. Alors, les tubes AIC sont numérotés de 0 à 11. Le tube à IC numéro 0, c'est le tube à IC, donc qui va euh, être choisi à froid avant le chauffage et qui va être dosé par une base qui est donc l'hydroxyde de sodium avec une concentration connue et là pour déterminer la quantité initiale d'acide dans ce tube. Alors par la suite et après le chauffage on va prendre tube par tube et on va essayer de le doser et à chaque fois par le dosage on essaye d'atteindre le point d'équivalence pour déterminer la quantité d'acide restant. Alors, nous avons bien remarqué que on peut prendre des mesures. Alors, les mesures qu'on peut avoir ou les résultats à partir donc, des dosages peuvent ici vous avez un tableau qui contient donc ici les numéros des tubes IC. là c'est le temps où on a donc dosé la quantité d'acide alors vous voyez ici le tableau, il contient le volume de NaOH. Le volume de NaOH, il diminue jusqu'à ce que, après 60 minutes, presque une heure, devient constant. Alors, la même chose aussi, on peut donner un tableau qui nous donne la quantité d'acide restant à chaque instant. Vous avez ici les numéros des tubes, le temps et la quantité d'acide restant en millimoles. Et vous voyez bien que la quantité d'acide restant, elle diminue jusqu'après une heure, presque une heure, devient constante. La même chose aussi, on peut donner un tableau qui contient donc la quantité d'ester formé. Et nous remarquons bien que la quantité d'ester augmente jusqu'à ce qu'elle atteigne une valeur constante après donc presque une heure, une heure dix. Alors, une interprétation. Sur les caractéristiques de l'estérification. Alors, tout d'abord, vous voyez qu'ici, la dernière phase de l'estérification se fait après une heure. Donc, la réaction, elle est lente. Et c'est pourquoi on a utilisé la sulfurique concentrée et on a aussi chauffé dans un bain-marie pour accélérer la réaction. Et malgré ça, c'est-à-dire, elle atteint sa phase finale qu'après une heure. La même chose aussi. Vous voyez ici qu'on peut interpréter qu'au cours de cette réaction, on a les réactifs et les produits au même temps. Donc ça aussi, ça va nous donner une interprétation. Alors, si je passe, je vais dire que cette réaction, elle est lente, elle est limitée, puisque nous trouvons les réactifs et les produits, et elle est athermique. Athermique, c'est-à-dire, elle ne dégage pas de la chaleur. Il n'y a pas d'absorption de chaleur, il n'y a pas de dégagement de chaleur, donc euh, ni absorption, ni dégagement. Donc elle est ni endothermique, ni exothermique, elle est athermique. Alors, généralisation, un alcool réagit avec un acide carboxylique suivant une réaction lente, limitée et athermique. Alors, l'alcool avec l'acide carboxylique, va nous donner l'eau avec l'ester. Alors je passe à grand 7 application de l'oxydation ménagée. Alors l'éthylotest. L'éthylotest ou alco test est un dispositif pour détecter la présence éventuelle de vapeur d'éthanol dans le gaz expiré, expiré par les personnes ayant consommé. Des boissons alcoolisées. L'alcool passe rapidement dans le sang et une partie est expirée par les poumons. Ce dispositif est utilisé par les agents de police pour les contrôles routiers. L'alcool expiré réagit avec une solution de bichromate de potassium, le K2CR2O7, existant dans l'appareil et réduit les ions bichromate CR2O7 jaune-orangé en ions Chrome 3CR3 de couleur verte. Deuxième application, oxydation biochimique. Alors, au cours du métabolisme, c'est-à-dire des transformations biochimiques, biochimique, les alcools sont oxydés en aldéhyde en présence d'une coenzyme qui est une substance organique de structure complexe. Grand 8 exercices d'application. Alors, on considère l'alcool de formule brute C3H7OH. La première question, déterminer les formules développées possibles de cet alcool, indiquer la classe de chaque alcool. Deuxième question, l'oxydation ménagée de l'un des alcools cités. Donc on obtient un composé qui donne un précipité jaune avec le DMPH. Petit a, montrer que le test avec le DMPH est insuffisant pour identifier avec certitude le composé oxydé. Petit b, le composé obtenu ne résout pas le réactif de Schiff identifier l'alcool oxydé ainsi sa classe et enfin écrire avec les formules sub développées l'équation de la réaction donner le nom du composé oxygéné obtenu alors la correction ici je commence par la première question les formules semi-développées possibles donc il y a le CH3CH2CH2CH c'est le propane 1ol donc c'est une classe primaire et Là, il y a le propane 2 Ol, c'est un alcool de classe secondaire. Alors ça, ce sont deux isomères. Même formule brute, mais deux formules développées différentes. Deuxièmement, petit a, le DMPH ne peut pas nous renseigner sur la classe de l'alcool, car en réagissant avec les produits d'oxydation, il donne le même résultat, c'est le précipité jaune. Petit b, puisque le réactif de chiffre ne restait pas, alors, automatiquement, l'alcool correspondant est de classe secondaire. Il s'agit du propane 2-ol, c'est-à-dire ce composé. -là. Alors, l'équation de la réaction chimique, vous avez ici le propane 2-ol qui va être oxydé pour donner une cétone qui est la propanone. Merci pour votre attention.